comme le laissent présager les indices depuis plus d'une semaine. Benoît Letellier, Jean-Baptiste Monnier fait probablement le tueur dont Demain nous appartient sur TF1. Il reçoit notamment le matériel d'abattage avec lequel il tue les victimes par la poste. Benoît Letellier coche toutes les cases du tueur sévissant à 7 depuis des semaines. Même si son hypothèse retrouvée sur les scènes de crime ne correspond peu. Évidemment, Lise Naïm Rodrigue est totalement dépassée par cette enquête depuis des années. Personnel est au bout de chef entre conflit avec le commandant Constant. Elle est persuadée malgré les preuves de Georges que son ami d'enfance est le tueur d'Alma. Le séquestrateur des Delcourt, du Meurtrier et des Chassaignes. Il porte une marque sur le corps identifié par Benjamin, il est grand et a les yeux clairs. Il s'est toujours intéressé aux déboires du couple d'Alma. De plus, il est très distant, participe quasiment aux sorties, prétextant avoir des copies à corriger. Au rayon des multiples indices l'incriminant, il utilise aussi le même savoir d'arbre que le meurtrier présumé. Lise perd le contrôle quand Damel lui dit qu'elle se trompe peut-être et que son dégoût pour Benoît est motivé par son manque de prise de recul. Elle gronde sa petite sœur lui rappelant qu'elle est sur cette affaire depuis des années jusqu'à ne plus dormir la nuit. Pour perdre le contrôle, elle lui passe un savon. Faute de preuves tangibles comme ce fut le clé pour Allard ou Leclerc, le policier relâche le telly. Dans les prochains jours, Benjamin est détruit par l'annonce la mort de sa compagnie se venge. Il frappe les portes du domicile de l'hôtel Ypente que le professeur d'SVT, curieusement, ingurgite une boisson feu sans penser à du jus d'orange. Le médecin s'entrattrape par le côté de plaque au mur lui demandant des explications. Il le met sol l'étrangle. Va-t-il le tuer? Probablement peu sachant que Benoît Letellier serait ensuite en prison à conduire Lisette commettre l'irréparable. Quelle est la boisson due d'attrait par Benoît après l'arrivée du médecin? Cette question trouvera une réponse dans les prochains épisodes du Soupe de Zéro Sous. Demain nous appartient à être retrouvé du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. We'll be right back.